Bonjour! Regardez ce magnifique Garrett, réalisé par Patrick. Alors, tu vas nous faire une manœuvre, mon ami. Parce que tu t'éloignes, mais... Hop là! Dis-moi un peu plus, quelle machine? Une tricylindre horizontale, simple effet. Tricylindre simple effet, quelle originalité! Distribution rotative. Oh là là, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un parcours à cranter, c'est pas vraiment... Oh là là! Mais bon, c'est quelque chose de simple et qui fonctionne pas trop mal. Alors après, bon, c'est un petit peu difficile parce que les obstacles pour lui sont... Ah bah, sont titanesques! Oui, bon. Mais il fonctionne. Et là, tu tournes à peu près à combien de bars? 2 bars. 2 barres de pression, bah, c'est vraiment raisonnable. Et à quelle échelle est-il? À peu près. Il est au dixième à peu près. Au dixième. Donc là, il mesure quoi? 80 centimètres? 70. Donc il faisait 7 mètres de long alors. 7 mètres de long. Ah, ouais. C'était un engin qui faisait 4 tonnes de charge utile. 4 tonnes? Ouais. Ah ouais, à ça rigole pas. Bah, c'est surtout en Angleterre, un Garrett. Oh, il marche formidablement. Avec des suspensions à ressort, transmission par oh là là. Il y a un différentiel dessus. C'est un différentiel de voiture radiocommandée d'ailleurs au dixième, récupéré dans une poubelle. Oh, il est formidable, je suis vraiment ravi de le revoir fonctionner. Ah oui, il est déjà passé, enfin il doit être sur YouTube d'ailleurs. Eh ben écoute, tant pis, il y sera à nouveau. Oui, merci Raphaël d'ailleurs. Bah, de rien. YouTube, si, parce qu'il est déjà passé sur YouTube. Et... écoute, c'est un plaisir que de le revoir. Voilà. En plus, il y a un beau panache de fumée, ça c'est vraiment formidable. Le vrai, j'imagine, fonctionnait au charbon, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Ah, ça devait pas être évident à faire fonctionner, parce que comment tu faisais tu devais t'arrêter pour recharger et, Non, ils rechargeaient en route, ils avaient le charbon sur le siège entre les... Entre le pilote et entre le copilote sièges, là, on voit d'ailleurs le charbon, et il y avait une trappe sur le dessus de la chaudière, et ils rechargeaient la chaudière en roulant. Ah, ok, je vois parfaitement. D'ailleurs, ils devaient pas avoir besoin de chauffage l'hiver, parce que... Ah, ils devaient faire bon, là, ouais, dis donc. Devant la chaudière, ça devait aller, quoi. Encore une fois, merci beaucoup pour cette belle démonstration. Parce que la route est vraiment très difficile pour lui. Ouais, c'est vrai. On est plus à l'aise sur un parking. On expo, ça va mieux. Ah, ouais. Bah, si tu le vends, tu me préviens. Ah bon? Ah ouais? Ah ouais. Au revoir, les amis.